Bon matin à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies eh bien, de ce jeudi 1er décembre 2022. On continue, n'est-ce pas, avec l'oracle des énergies jusque demain. Et puis, on terminera avec le message de ton âme. Alors aujourd'hui, j'ai pigé à l'endroit l'homme réfléchi. Mais avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif le plus fort et celui que je nourris le plus. Homme réfléchi, c'est un homme de sagesse ou de compréhension. Et on voit sur l'illustration, n'est-ce pas, cet homme debout devant une arche qui fixe un cristal dans sa main. Eh bien, c'est un homme attentionné et réfléchi qui représente la présence potentielle, ça peut être maintenant ou bientôt, d'un enseignement dans votre vie. Cette personne pourrait être là pour vous enseigner les menus détails de la direction que vous avez choisi de prendre, ou même pour vous aider sur le plan spirituel, psychologique ou émotionnel. Cette carte, n'est-ce pas? Eh bien, elle vous invite à prêter attention, car cela pourrait grandement favoriser votre développement personnel ou professionnel. Vous avez peut-être besoin d'un enseignement au point de vue professionnel, au point de vue personnel, au point de vue d'un développement personnel. Eh bien, cet homme pourrait être un futur enseignant pour vous. Cet homme pourrait aussi être un futur amoureux. Ou simplement, vous allez peut-être faire la connaissance d'un nouvel ami. Donc, cette carte, elle vous dit de faire attention, d'être à l'écoute autour de vous, d'être à l'affût de ce guide dans le monde physique et soyez ouvert à ce qu'il a à vous enseigner, parce que c'est rempli de sagesse. Cette personne est remplie de sagesse. Apprenez ce que vous pouvez et une nouvelle discipline, une technique, une pratique de guérison ou des études pourraient changer votre vie à tout jamais. Peut-être que vous avez du magnétisme dans vos mains. Eh bien, pourquoi pas de faire appel à cette personne pour vous enseigner sur diverses choses, n'est-ce pas? Ça peut être au point de vue aussi du tarot, sur les cartes, ça peut être aussi dans la psychologie. Pourquoi pas faire un cursus sur différents sujets que vous aimez, que vous avez envie de mettre sur pied. Vous avez choisi une voie, eh bien, continuez sur cette voie et cette personne réfléchie qui est là tout près de vous vous aidera. Vous savez, il y a plusieurs, on dit toujours qu'il y a plusieurs dans deux têtes. Que dans une. Il y a plus dans deux têtes que dans une. Eh bien, cette personne, elle va vous aider. Même si vous êtes dans une période sombre, vous êtes peut-être dans une période où, avec ce que nous vivons ici, présentement, toute cette pénurie que nous vivons toutes et tous, n'est-ce pas? Eh bien, si vous avez des difficultés de ce côté-là financièrement, eh bien, il y a une personne qui peut vous aider. Vous pouvez vous tourner vers une association aussi, hein? Il y a cette personne qui va vous aider. Et n'ayez pas honte de vous tourner vers une association si vous êtes en difficulté. Il n'y a pas de honte à avoir. Donc voilà, c'est une magnifique carte hein, qui vous dit, vous n'êtes pas seul. Il y a quelqu'un tout près de vous.
Et soyez à l'affût parce que cette personne pourrait aussi être un nouvel amoureux. Alors, affirmation, je suis prêt à apprendre de nouvelles choses, je peux m'ouvrir et partager en toute sécurité et en tout confort. Alors, message de ton âme, là. Faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Eh bien, c'est un magnifique message de ton âme, n'est-ce pas? Ça vous permettra de vous d'avoir plus de confiance en vous et plus avoir confiance dans la vie, même si c'est difficile. Nous sommes tous et toutes impactés par la situation que nous vivons. Et bien sûr, on est impacté à différents niveaux, n'est-ce pas? Mais il y a des aides. N'oubliez pas, vous pouvez vous tourner vers des aides, des associations qui sont là pour vous aider. Ne restez pas seul en tout cas. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, je vous embrasse. Portez-vous bien. À demain. Thank you.